La vie, c'est censé être amusant. T'es censé te lever le matin puis d'avoir hâte de découvrir ce que la vie a à te faire découvrir. Te demander comment tu vas t'amuser avec ce que la vie t'envoie. Ce week-end, je m'étais donné comme défi d'arrêter, d'avoir peur puis d'oser. D'oser écouter mes intuitions. D'être encore plus à l'écoute, puis de voir où ça mène à chaque fois, sans réfléchir, sans laisser le mental embarquer. Parce que on ne sait pas où ça peut nous mener. Alors que j'étais assise sur la colline, occupée à autre chose, j'ai comme entendu une voix qui m'a dit « Lève-toi, go, vas-y, monte ». Dans mon trajet Montréal-Québec, j'ai écouté le livre audio de Gabrielle Bernstein qui s'appelle « You are the guru ». Tu es le gourou? À écouter, je te le suggère. À ce moment-là, je me suis comme sentie jugée ou observée. Un drôle de feeling. Quelle vue magnifique! Oh, excuse! Sorry! J'étais comme en train de prendre un selfie puis de faire comme... Puis là, je me suis retournée puis j'ai vu comme le caméraman puis j'ai fait « Oh my God! » J'étais comme vraiment gênée, tu sais, parce que c'est quand même, tu sais, c'est un peu comme de l'ego, tu sais. C'est vraiment drôle. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre mon courage puis de oser, d'avoir de l'audace. Puis j'ai pris mon courage pour lui dire « Ah, puis moi, ben d'abord, je peux-tu t'interviewer aussi? Je peux-tu te poser des questions? » Puis... Je viens de me faire filmer parce que je prenais un selfie de moi, puis j'étais comme au... parce que c'est tellement beau. Puis là, ben il y a quelqu'un ici, Pascal, non? C'est ça, oui? Pascal, oh, mon Dieu, j'ai eu peur de me tromper. Qui fait une émission, puis qui, justement, il me demandait, mais, tu sais, si tu prends des selfies, est-ce que tu les postes en ce moment? Parce que, tu sais, t'es en train de dire au monde, si t'es une touriste, il a vu que j'étais une touriste, là, que, que t'es en train de dire à tout le monde, mais t'es pas chez toi, puis, tu sais, ouais, c'est vrai, c'est un risque. Pas un gros risque, mais il faut être protégé. Comme je t'avais dit, ça prend des assureurs, ils disent que c'est mieux d'avoir un système d'alarme. Ouais, j'en ai un, heureusement. Mais t'as-tu eu beaucoup de monde aujourd'hui? Qu'est-ce que... Oui, mais il y a beaucoup de touristes anglophones. Fait que nous, on cherche des entrevues français. Oui. Mais il y a beaucoup de touristes qui viennent d'ailleurs. Mais ça nous donne moins des bonnes entrevues en français. Ça, on en fait en anglais aussi, mais pour la radio, c'est mieux. C'est pour ça que j'étais content. Oui, j'étais content. Bon, c'est super. La vie en plus, c'est magnifique. Oui, merci. Bonne journée. Toi aussi. Bye. Puis c'est ça. J'ai joué l'intervieweur pour le fun parce que j'ai eu l'idée tout à coup puis que je me suis dit ben non, je ferais pas ça, tu sais. Ben non, ça serait ben trop too much. Mais je suis too much, puis j'assume que je suis too much. Puis toutes mes idées too much, il faut que je les écoute parce que c'est toutes ces idées-là qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Puis ça prend de l'audace, puis du courage pour ça. Puis, tu sais, j'étais habituée de parler, puis tout ça, puis comme, j'ai le cœur quand même qui bat quand même un peu vite. Puis, c'est correct. Mais c'est là où il y a comme un espèce de... Il y a comme un espèce de... Réciprocité. Dans l'univers, ouais. Quelqu'un m'a dit de réciprocité. C'est l'énergie. C'est ça, la vie. Faut oser. Faut dépasser nos limites qu'on se met nous-mêmes, parce que s'il n'y a pas de challenge, c'est plate. Puis si c'est plate, ben, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... On vit pas. Puis il y avait Sonia qui parlait justement de... Zabartani qui parlait dans une conférence qu'il faut oser. Comme go, elle dit, si t'as goût de prendre un selfie avec moi, comme go, arrête de dire, oh, je devrais y aller, oh non, j'ai peur. Fuck off, go! Puis, depuis hier, j'ai comme une espèce d'énergie qui me
qui me propulse, puis qui me dit comme arrête d'avoir peur, arrête de te demander mais qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que bon, je ferai pas de flashing là. Je suis pas rendue là dans ma vie encore, t'sais. Mais c'est ça, c'est comme c'est intéressant de d'oser. Ça nous confronte, puis ça nous fait évoluer. C'est dans les défis qu'on évolue, vraiment. Puis ça, moi, j'aime beaucoup les défis, puis j'aime beaucoup évoluer. Puis je pense que j'écoutais pas assez ma voix intérieure qui me disait comme « go ». Puis là, je vais l'écouter plus. Parce que j'ai été tellement inspirée dernièrement pour des vidéos, pour... C'est ça. Puis ça a été comme with the flow. Puis quand t'es with the flow, ben, tu suis ton cœur, tu suis ton âme, tu suis ta vibration, tu suis ton énergie. Puis c'est puissant. C'est vraiment cool. C'est ça. Restons zen.